اليوم تم تدشين عيادة تاعنا عيادة رايا ضرارية متعددة الاختصاصات خاصة طبية وجراحية وفيها كذلك مصلحة للولادة. العيادة تاعنا الخاصية تاعها أنها خدمت من عند جماعة تاع مجموعة أطباء فقط. Donc cette clinique, qu'on voudrait quand même qu'elle soit un des pôles de la santé donc, en Algérie pour prendre en charge les patients donc, dans les standards avec les standards internationaux. C'est une clinique qui comporte un centre d'imagerie, un laboratoire d'analyse médicale et un service de gynéco-obstétrique hyper équipé, donc, qui est prêt à recevoir donc, les parturientes et les malades qui posent un problème de gynéco. Nous avons aussi un service de chirurgie viscérale et orthopédique et nous avons un centre d'endoscopie digestive qui est hyper équipé et qui aussi nous assurera dans un avenir proche une action qui est quand même particulière et qui à savoir c'est l'endoscopie d'urgence H24. On a ouvert cette clinique en collaboration avec mes collègues, mes amis, mes associés. J'espère donner un plus pour la population algérienne et algéroise et de Drahé en particulier. Je remercie le laboratoire Frater d'avoir été parmi nous et qui a sponsorisé cette inauguration. Voilà, je souhaite le succès à tout le monde. ونشكروا كذلك اليوم الافتتاحية هذه شركة فراتير اللي عاونتنا في هذا قامت لنا بالحفل تاعنا حمل الافتتاح. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense plaisir d'accompagner l'inauguration de la clinique Raya qui se situe à Draria. Donc, ça sera une clinique qui va accueillir beaucoup de patients en Algérie. On a eu la chance de visiter cette clinique-là. Nous avons différents aires thérapeutiques, aussi bien dans la forme injectable pour la chirurgie que la forme sèche pour donc tout ce qui est en officine à l'extérieur. Mais le plus important pour nous aussi, c'est d'être dans la continuité. Où on aura la chance, Inch'Allah, d'effectuer ensemble avec les membres de la clinique des formations médicales continues interventionnelles, que ce soit en gastro-entérologie, en gynécologie ou dans les autres spécialités, pour développer, en tout cas tous ensemble, le diagnostic, le traitement des patients algériens, Inch'Allah.